Mise en garde contre un autre géant chinois. On vient de vous parler de Chine. Là, on va vous parler de Tému. Vous êtes nombreux à commander des articles sur ce site web rabais Et ça va des vêtements à la décoration en passant par des petits électroménagers. Et là, il y a plusieurs Québécois qui signalent des fraudes bancaires après avoir fait des achats sur ce site populaire. C'est un problème qui touche pas seulement Québec, qui s'étend un peu partout à travers le monde. Quelles précautions à prendre? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de TEMU. Notre invité ce soir, Stéphane Ricoul, il est expert en économie numérique. Rebienvenue à l'émission, Stéphane. Bonsoir, on ne pas. D'abord, TEMU, qu'est-ce que c'est exactement C'est pas tout le monde qui nous regarde ce soir, ouais. qui fait ses emplettes sur TEMU. TEMU, c'est une pleine forme de commerce électronique où l'on vend un paquet de choses, comme vous le disiez, c'est comme le Amazon, mais chinois. Donc, en arrière de TEMU, il faut comprendre que c'est un holding chinois qui s'appelle Pin Duo Duo. Je... Je oui. le prononce probablement pas Votre correctement. mandarin est approximatif. Mon mandarin est assez approximatif. Mais c'est une entreprise chinoise qui est quand même valorisée à plus de 100 milliards de dollars en bourse. Donc, c'est une très grosse entreprise qui est en arrière de Temu. La question que les gens se posent, puis la traite Temu, ce sont les prix. Oui. Euh, les prix cassés, euh, on retrouve des articles à 1 incluant la livraison directement de Chine. Euh, comment Temu arrive euh, à, à faire de l'argent avec de si bas prix? Oui, plusieurs choses par rapport à ça. La première chose, c'est qu'ils ont éliminé tous les intermédiaires. Donc, il n'y a plus de distributeurs, il n'y a plus de logistique en arrière de ça. Ils achètent ou ils vendent plutôt directement depuis le fabricant. Ça, c'est le Donc, premier... l'usine à Shenzhen, directement chez nous à Montréal. Directement, puis c'est eux qui livrent même directement chez ah. vous à Montréal. La deuxième chose, c'est que, rappelez-vous, l'histoire d'Amazon au tout début, Amazon était une entreprise qui perdait de l'argent. Beaucoup. Tému perd beaucoup d'argent. C'est pas un enjeu pour eux. Leur objectif est de gagner un maximum de parts de marché pour pouvoir le verrouiller et ensuite pouvoir penser à de la profitabilité. Et là, ce qu'on a vu au cours des derniers jours, entre autres dans les pages du Journal de Montréal, ce sont des Québécois qui ont acheté oui. des gogos, si vous me permettez l'expression, et qui, là, euh, voient leur relevé de carte de crédit, voient des transactions suspectes, exact. des codes de fraude potentiels qui pourraient être liés à Tému. On doit s'en inquiéter Oui, on doit s'en inquiéter. L'autre chose qu'il faut comprendre par rapport à Temu, c'est que c'est une croissance ultra rapide. Qui dit croissance ultra rapide, comprenez que la plateforme Temu, là, c'est un paquet de marchands qui viennent vendre leurs gogos, comme vous oui. disiez. Et donc, Temu, ben, plus il y a de marchands, mieux c'est pour eux. Okay? Donc, ils tournent peut-être probablement un peu les coins ronds quand ils font leur... Euh, Diligence, revue ouais. diligente par rapport à ces marchands-là, notamment au niveau cybersécurité. Donc, Donc la protection, des données sensibles, la protection vos, de la vos données. numéros de carte de crédit, pourraient se retrouver entre les mains de fournisseurs chinois qui, là, vont vous frauder. Elles se retrouvent entre les mains de fournisseurs chinois. C'est pas. Tous qui vont nous frauder, mais il y en a certains sur le grand nombre, sur le volume, oui, il y en a qui fraudent. Alors, si je comprends bien, si des gens ont fait des achats sur cette plateforme-là, et vous êtes des milliers à la maison à le faire chaque semaine, au... à partir du Québec, oui. faut faire attention à son relevé de carte de crédit. Faut faire attention à son relevé de carte de crédit. C'est 50 millions d'utilisateurs à tous les mois qui sont sur Temu. Hein? C'est énorme. Je vous compare à Amazon. Amazon, c'est 70 millions. Donc, on n'est pas loin d'Amazon. Euh, et il y a les dépenses publicitaires. C'est un incontournable parce qu'il il y en a beaucoup qui se sont fait. Je dirais, hampsonné. Hein? Ils étaient sur Facebook, sur Instagram, ils ont vu des publicités d'articles à euh, C'est franchement très ingénieux comme système, celui de Temu. Ben, il y a plusieurs systèmes, oui. Il y a l'investissement publicitaire qu'ils font. Juste à Facebook, là, à chaque année, Temu donne 2 milliards de dollars. 2 milliards de Deux dollars 2 milliards pour faire la publicité sur Facebook. Temu fait partie des cinq premiers annonceurs sur Google. Ah oui, c'est énorme, c'est cinq premiers. Là. Et c'est pour ça, Stéphane, que j'ai lu le rapport d'un analyste qui écrivait Sans ému des géants comme Alphabet et Meta, maison mère de Google et Facebook, feraient pas mal moins d'argent et ça clair. paraîtrait dans les états financiers. C'est clair, absolument. absolument. Et la stratégie derrière ça, c'est d'aller hameçonner les clients. C'est d'aller chercher un maximum de clients. Là, on ne l'a pas demandé à le voir dans notre fil Facebook, mais on le voit pareil. Donc la stratégie, oui, c'est d'accumuler un maximum de clients. Euh, la, client... la, la question qu'on se pose, est-ce que les autorités réglementaires ont un pouvoir Est-ce qu'au Canada, on pourrait dire, mm. un joueur comme Temu, dont les fournisseurs peuvent frauder nos clients, on n'en veut pas, on va le bloquer Oui, techniquement, on peut le Ça, faire. Ça, c'est la réponse technique et théorique. La réponse technique, euh, comme TikTok, il est envisagé de le bloquer aux oui. États-Unis. Donc techniquement, oui, c'est faisable. Est-ce que les gouvernements ont le goût de le faire Parce que là, on rentre dans une bataille ensuite qui est politique et économique vis-à-vis -vis de la Chine. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on pourrait penser, en terminant, que Temu, ce géant en devenir à la croissance hyper rapide, pourrait à un moment donné surpasser un géant comme Amazon? Est-ce qu'il n'est pas là, le pari des Chinois? Je ne le sais pas. C'est pas viable à long terme, quant à moi, d'avoir des prix aussi bas. Il faut comprendre qu'il y a une certaine forme de travail non... Non, correct. On, on va dire. se le dire, il y a probablement du travail forcé. Là. Si vous vendez euh, des vêtements, des t-shirts à, à 3$, livraison comprise, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, donc euh, ce n'est pas euh, viable à long terme, quant à moi. Et entre-temps, il faut être extrêmement prudent. Sauf qu'une fois le, verrou... le marché verrouillé, ils vont augmenter leur marge et donc vont pouvoir proposer des, 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 des gogosses à des ouais. prix un peu plus Et d'autres produits. Stéphane Ricoult, merci pour cet éclairage. C'était vraiment très intéressant. Merci à vous. Merci, au plaisir. Euh, nous, on se retrouve dans un instant. On va se transporter en Gaspésie. On va se parler de changement climatique. À tout de suite, tout le monde.